toutes et tous, c'est Blarkan. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de mon let's play sur Fable 2. Vous vous souvenez, dans l'épisode 11, je m'étais marié avec... Pourquoi ne pas faire évoluer notre relation sur un autre plan, hein? Avec ça... Les étals sont ouverts! D'une quête sadique. Et maintenant, il est temps d'arrêter de jouer les petites femmes effarouchées et de passer à mon plan B, la partie 2 de mon plan diabolique, pour avoir des trucs de folie. Non, je veux pas. Tu montes pas et tu dors pas. Oh, super. Je suis super content. Youpi. Tu sais quoi? Je suis d'humeur coquine. Pas moi du tout. Bon, viens, suis-moi, toi. Suis-moi. Il va se passer des tonnes de choses. Génial. Très intéressantes. D'accord, allons-y. Quête. Du sacrifice pour les autres. César, ça va prendre un petit moment. Allez, viens, mon poulet. Nya. Nya. On va y tuer notre moitié. On va le sacrifier à l'autel. Mon père avait d'énormes lobes d'oreilles. Il était vraiment très intelligent. Super. Attends-moi ici, maintenant il est temps de jouer. Nya. Ah, comme dans le 1, vous savez, je joue avec les vêtements, j'adore les vêtements. Mais là, c'est parti. Bonjour, maître. Salut, chérie. Viens, suis-moi. Nya, nya, nya. Les ombres sont vraiment avides de sacrifices. Je peux te dire qu'elles adorent ça. Reste ici, mon... Chaque victime que tu ramènes dans le cercle sacrificiel te rapporte un certain nombre de points de loyauté. Je le sais. Tu me l'as déjà dit. Grâce au tableau des primes du Temple des Ombres, si tu cumules assez de points, tu peux gagner un cadeau vraiment particulier. Tais-toi. Moi, je dis, ça a l'air d'être un beau sacrifice que t'as là, ma vieille. Ouais. Il suffit de faire venir l'offrande dans le cercle sacrificiel. À propos, comment tu as fait pour attirer ces idiots ici? Il n'y en a qu'un seul. Ça me donne un mal de chien. Alors, je vais juste vérifier quelque chose en termes de temps. Il est 6h01 du matin, ou de la nuit. Non, du matin. Faudrait que je le fasse à minuit, ça me rapporterait beaucoup plus. Chérie, attends. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Tiens, suis-moi. Très bon. Allez, viens, suis-moi à la maison. Allez, let's go. On va aller dormir un coup. Ce sera ta dernière nuit avec moi. J'espère. Allez. Ça va dormir 6 heures. Super, j'ai plus de magnétisme. Il est quelle heure? Il est 13h. 13h, on va dormir encore 6h. Un jour, j'ai affronté un dragon. Super. Il était en papier, mais je l'ai bien massacré. Allez, viens. Viens, chérie. Il est temps d'aller voir le sacrifice. Avant, travailler à côté de la roue me coupait l'appétit. C'est fini. Mais j'ai toujours du mal à toucher au boudin noir. Bon, comme vous voyez, il n'est pas encore minuit. Alors, on va attendre
Bien sûr, je vous passais ce temps d'attente. Hein. Ça servira à rien que vous attendiez comme moi, là, pas sans bouger, ici, pour voir notre ami Alex mourir. Mais... voilà. Donc, on patiente. Et je vous reprends de suite. Allez, à tout de suite. Et je vous reprends, il est bientôt l'heure, donc on va pouvoir sacrifier notre ami, notre mari, celui qui nous aura fait quelques secondes. Donc 4 minutes, même pas, le jeu va très très vite, regardez. Et c'est parti! Wouhou! Et on tourne la roue, et qu'est-ce qu'il va y avoir? Quoi? Ta propre moitié? Je m'incline devant ton âme maléfique. Bien sûr, tu aurais pu la garder pour le rite de l'iniquité impie, mais je te dis bravo quand même. C'est quoi le rite de l'iniquité impie? J'ai gagné que 280 points. Oh, je suis... Tout ça pour ça? Bon, et ben on est veuf. Yeah, baby, yeah. Avant, travailler à côté de la roue. Bon. Allez, on y va. On va aller voir l'autre... l'amour éternel. Voilà, tac. Ah, je suis déçu. Je pensais vraiment que ça aurait pu me faire gagner pas mal de trucs, mais en fait, rien du tout. 280 points. Alors même si ça fait rien, va falloir que je massacre plein de prêtres au-delà. Allez. On y va. On va voir notre copine qui doit être là-haut. Les bandits, je vous laisse tranquille. Trop pas envie de vous battre. Vous voyez pas que je suis un prêtre, une prêtresse de l'ombre? Par contre, ma couleur rouge, elle se voit pas beaucoup. Hein. Esquive! Wow! Esquive du tigre! T'as vu ça? Youhou! Tu paries combien qu'ils vont me suivre? Oh non, ça va, mais ils sont cool. Salut chérie! Donc, vous êtes amoureuse de lui, n'est-ce pas? Ah mais, ouais, très. Bizarrement, je ne suis plus furieuse. J'ai enfin trouvé la paix. C'est vrai? Je vous ai demandé une chose terrible. Mais vous, vous avez bien agi. Je ne savais pas qu'il avait souffert à ce point. Aimez-le, d'accord? Sinon, je reviendrai pour vous. Ok! Avec plaisir! Je crois qu'elle est pas au courant que je viens de le tuer. Nia.
Nya, 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 nya. Alors, on va changer de vêtements, hein, parce que du coup, ça va pas le faire si je me débarque au temple de l'ombre. Comme ça. Allez, on se remet en tenue d'aventurière. On est sexy, on est beau, on est belle. Je sais pas si je suis beau, je suis belle. Et on y va, quête, allez, c'est parti. Le rituel, les sacrifices pour l'ombre, papapayou. Le rituel, pompopidou. Voilà. On va aller voir la baie. On va retourner à Oakfield. Et on va s'amuser. Bon, cet épisode sera un peu plus long parce que je sais pas si je vais couper ou si je vais accélérer le temps pour l'attente. Je reste déçu, hein. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, au moins, c'est toujours un premier mari décédé, je veux dire. Voilà. En plus, il était moche. Je n'épouserai pas un mec comme ça. J'ai des valeurs, moi, tu vois. Oh, 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 j'ai bien envie. J'ai très bien envie. Allez, viens. Ah, oh, mais toi aussi, viens. Ah, oh, venez, venez, mes amis. C'est pas génial. Venez. Venez, mes amis. Allez, viens. Oui, ça m'a plu. Allez, viens. Viens, toi aussi. Je vous suis. Oui, toi aussi, viens. Terrible. Ça me plaît beaucoup. Ouais, viens, viens, toi aussi. Ah, non, mais... Amusant. Ok, ça peut être marrant. Viens, viens. Tu me fais tellement de plaisir. Oh, toi aussi, viens. Viens. Et petit, viens à la maison. Tu t'en vas pas. Allez, viens. Oui, je viendrai. Pourquoi pas? Oh, vous me faites du plaisir. Il est là, le vieux. Il n'y a pas d'autres copains. Allez, venez. Ce n'est pas vrai. Si, si, venez. Quoi, vous êtes au courant que j'ai sacrifié mon mari? Wow, les nouvelles vont vite, dis donc. Je suis sûr que je vais en pouvoir en trouver d'autres. Oh, je suis désolé, c'est mon côté démoniaque. Vous suivez toujours? C'est bien. Des bons petits. Tous les magasins ferment. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Allez les copains! Voilà! Ah, j'adore ça! Allez, venez les copains! Venez, venez, venez! Je suis sûr qu'il y en a là-bas! Je ne peux résister à vous emmener visiter un endroit très spécial! Un truc de folie! Toi là-bas, toi, toi, reste là. Hein, un endroit creusé. Tu bouges pas, toi, mon petit. Hein. J'arrive. Et ça fait équation. Et j'en ai perdu un, là. Je parie que vous on est sur un beau magot. Pas vraiment, je suis pauvre. Toi, toi, bouge pas. Bouge pas, là. Bouge pas, dis donc. Allez, viens. À mesure que votre... Désolé, je suis déjà pris. Ah, c'est nul. Pour en prendre que 4. Bon, 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 bon. Alors, vous voyez ce que je veux faire. Je suis désolé. J'aurais dû faire le rituel, mais... C'est tellement délicieux de faire des sacrifices pour l'ombre. Je deviens démoniaque. Oh mon Dieu, je deviens démoniaque. C'est pour mes pulsions, vous voyez, pour éviter que je tue des gens. J'ai besoin de les sacrifier. Allez, venez. Allons-nous-en. Non. Venez, 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 mes petits. Regardez. Plein de copains.
Vous restez là, hein. Vous restez ici. Il est quelle heure? On s'en fout de l'heure. Allez, c'est parti. C'est ma troisième tenue de la semaine. Le sang sacrificiel ne se déploie pas. Attention, vous allez mourir, vous allez mourir. Électrifieux. Ce moine ne risque plus de nous faire de l'ombre. Oh yeah, baby. Ils ont grillé. Ils ont tous grillé. Eh ben, ça rapporte plus que sa moitié, hein. Enfin, voilà. Bon. Je voulais tester. Je n'ai pas résisté à l'envie de les voir mourir dans d'atroces souffrances. Du coup, j'ai plus de temps pour faire le rituel, donc on fera ça dans le prochain épisode. Alors, on va essayer de voir l'archéologue. Allez, on se casse. On retourne à Bowerstone, hein. Je sais, beaucoup de téléportations, mais... je me fais plaisir. Je crois que c'était dans le jardin de Fairfax, notamment, là où il y a plein de prout-prout. Il y avait un truc, mais elle était pas là, la demoiselle. Enfin bref. Je sais plus ce qu'on gagne d'ailleurs. Donc on ira sacrifier de temps en temps des petits moines, hein, parce que ça paye plus, je dirais. Alors, voilà, ça doit être sur la droite. Tous les magasins sont fermés la nuit. Préférence. Salut. Vous, êtes-vous prête à risquer votre vie et vos muscles pour des vestiges de civilisation disparue? Oh oui, des muscles. Oh, je parie que vous voulez savoir qui je suis. Bah ouais. Les gens sont si traditionnels à notre époque. Bonjour. Je m'appelle Belle et je suis la plus grande archéologue d'Albion. Compris? La Belle et la Bête. Alors. Vous voulez partir à l'aventure et chercher d'anciens artefacts, oui ou non? Ouais, je suis d'accord. Le danger, l'argent, la fièvre, je peux vous offrir tout ça. C'est vrai? Enfin, je peux surtout vous offrir le danger et des corvées. Ah oui, le danger et les corvées. J'ai déterré quelques informations pour vous guider. Note de recherche de Belle. D'après mes recherches, le premier artefact est caché quelque part dans les vieux quartiers de la ville. Son propre mari. Et ben comme ça. Lisez les notes de Belle. Dans le vieux quartier. Bon, on va aller chercher notre premier artefact comme dans le vieux quartier. Et je pense qu'on s'arrêtera là. Il faut qu'on l'aura trouvé. Alors, sans truc pour nous guider, ça va être assez drôle. Oui. Ça va être assez drôle, je vous le dis. Bon, on avance quand même, on avance. Peut-être pas dans la quête principale, mais on avance. Ça fait plaisir. Ouais. Et bon, bah, le temple de la lumière aussi, pour gagner son truc, il faut genre... Il le faut. Genre... Ça y est, je ne sais plus quoi dire. Ah oui, voilà, il faut donner de l'argent. Et je suis pauvre, alors je donnerai pas de l'argent. Point, c'est tout. Tiens, j'ai une idée. Mon mari, il est décédé, alors on n'a plus besoin de la maison. Ça va. Je suis pas encore trop démoniaque. Vous avez vu? Je suis encore une belle jeune fille toute mignonne. Alors, utilisez, allez. Non, je veux pas vendre. Je veux louer. Ouais, je veux louer. Ah. Ok. Maintenant, étale loue et expulsez le locataire. On peut gagner 99 toutes les 5 minutes. Ça, c'est cool. Bon, bah voilà, ça nous fait une première maison, un entrepôt qui me rapporte rien du tout. Je suis vraiment triste. Et on va fouiller ces vieux quartiers de fond en comble, puisque comme on n'a pas d'informations sur où est les trucs, là, je vais devoir tout fouiller, et dès qu'on aura trouvé notre premier artefact et ramené à Belle, cet épisode s'arrêtera. Donc ça peut prendre genre 10 minutes, comme ça peut prendre 5 minutes.
J'espère que ça vous fait plaisir. Temps de chargement de l'œuf fini. Ah bah oui. Le chien sait déjà tout de suite où il faut aller. Genre, il est trop balèze. Manuscrits anciens. Eh bah, j'avais dit quoi, 10 minutes? Peut-être moins, du coup. On visitera les anciens. La poulet! Méchant poulet. Méchant poulet. Poulet! Tout allait bien, tu es... voilà que vous arrivez pour tout gâcher. Ouais. Je veux pas mourir! Oh oh. Mauvais. Oh oh oh, j'ai cassé une de barricade. Oh, je pourrais passer des heures à... Je vais tuer le poulet! Seigneur, j'ai failli mourir de peur! Je veux tuer le poulet. Oh, mais on peut pas tuer les poulets! Ils sont invincibles! C'est pas moi! Bon, bah j'ai cassé une barricade. Je me souvenais pas que ça pouvait être cassé. Oups. J'espère que ça va pouvoir se régénérer, mais je crois pas. Je crois qu'une fois que c'est cassé, ça... C'est cassé. C'est fini. Bon, bah voilà. Tant pis. C'est trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. Oups. Allez, temps de chargement. Ça, c'est ce que je trouve un peu chiant sur console. C'est les temps de chargement qui sont trop longs. Surtout pour ce jeu. Heureusement que dans Fable 3, ils ont quand même amélioré ça. Et d'ailleurs, nous ferons aussi Fable 3. Et puis, dès que nous aurons fini Fable 3, nous ferons Fable The Lost The Journey. Celui qui se joue avec Kinect. Il y aura bien sûr le Fable Anniversary qui m'intéresse. Puisque c'est le 1, mais en revisité en HD. Donc, je pense que je le ferai. Mais bien un peu plus tard, ou je ne sais pas, faudra attendre un petit peu, puisque je trouve que ça ferait trop redondant avec mon premier let's play de Fable 1. On le gardera de côté. Et bien sûr, j'ai des vues sur Fable Légende, hein, qui sortira l'année prochaine. Je ferai bien sûr un let's play dessus. Ouais. Après, entrecoupé, j'ai d'autres petits let's play, de petits bonus, j'ai vraiment de quoi faire, j'ai plein d'idées. C'est juste qu'il me manque du... Tiens, j'ai trouvé ton truc. C'était pas dur. Oui, merci. Avec plaisir. Tu vois, c'était pas difficile. Bon, c'est toutes tes quêtes, c'est ça. Ma chérie, ça va aller vite. Nouvelle quête disponible. Encore ? Êtes-vous ici pour un fascinant voyage dans les mystères du passé ? Ouais. Ok. Parcourrez-vous le monde pour découvrir d'anciens mystères? Ouais. Fais péter ton truc, ton indice. Excellent. On doit dénicher jusqu'au dernier de ces artefacts. Donne-moi tes artefacts. Alors, tous les textes anciens indiquent qu'un artefact est caché près des ruines d'une construction de l'ancien royaume. L'un d'eux mentionne une cathédrale sombre qui surplombe l'océan. Enfin, il me semble que c'est la bonne traduction. Ouais, c'est facile, c'est le temple de l'ombre. Bon, eh ben, on va s'arrêter là pour cet épisode 12. J'espère que ça vous a plu. C'est passé pas mal de petits trucs. On a terminé quelques quêtes. On a massacré et trucidé notre mari et des moines de la lumière. Parce que la lumière, c'est tellement pas drôle. J'ai l'impression que je suis quand même plus blanc que d'habitude. Et on va donc, dans le prochain épisode, se lancer dans la quête du rituel pour avancer un peu la quête principale. Voilà. Après, on continuera un peu ces petites quêtes. On va visiter. Il y a plein de choses. On va se stuffer. On va améliorer nos compétences. Ce n'est pas en restant comme ça, à ne rien faire, que vous trouverez quelque chose. C'est pas faux. Et c'est pour cela que je vais arrêter ici. D'accord ? Allez. En tout cas, je vous souhaite tout plein de bonheur. Et à ciao tout le monde.